Merci public. C'est bon caméra, tu es focus. Bonjour mesdames et mesdames, j'espère que tout le monde va bien. Ouais c'est bon, tu sais déjà c'est un classique, on est là. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je sais pas si vous avez réalisé, si vous me suivez sur Instagram et tout. Je suis un fan, fanatique, fanatiquement fanatiqué, fanabiolose ou panini, fan des animaux. Et en particulier des chats et des chiens. Regarde ici, mesdames et messieurs, je vous présente Oreo. Oh god damn, nigga. Ah bah oui, chacal. Alors, petite story. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer là? Oh là 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 là, la guitare a failli tomber. Hey, bye, chacal. Qui t'a dit de sortir? Ça risque de tomber, mais on va faire avec ce qu'on a chacun. En passant, on va faire un truc durant la vidéo. Si ça tombe durant la vidéo, ça va être un moment spécial. J'attends, moi j'attends juste, ça va tomber. Je pense que ça va retomber. Bon, revenons à mon histoire, chacal. Quand j'étais petit, bien sûr, j'ai eu un chat et un chien. Au fait, non, j'avais deux chiens et deux chats. Ah bah oui. Et en plus, comment je suis trop fort dans les noms, devinez c'était quoi les noms de mes chats. Bah en fait, c'était des frères et sœurs. Alors, un, je l'appelais Tic, l'autre, je l'appelais Tac. Tic-Tac, comprends? Parce que j'ai trop la flemme de retenir des noms des gens. Ça, c'était simple, donc... Mais jugez pas, ok? Mon chat s'appelait Chat et ma chatte s'appelait Chatte. Ok. Donc, mon chat s'appelait Tic et ma chatte s'appelait Tac. Ça sonnait trop bizarre ça. Et j'avais un chien qui s'appelait Blade. Ouais, tu connais le film la Blade? Ouais, je l'ai donné un nom de vampire parce que ce chien chacal a oublié. Il mordait tout ce qui bouge, chacal, tout. C'est pas pour rien que maintenant j'ai peur des chiens. Si c'est pas mon chien, ne m'approche pas. J'ai juste pas peur de mon chien. Si t'étais mon chien, moi, on se connaît. On vit dans la même maison. On mange ensemble. Donc, normal, tu vas pas m'attaquer. Et si c'est le chien de mon voisin, oublie. Oublie, on se connaît pas, chacal. Il m'a pas catch en train de faire des choses bizarres dans les toilettes, non? Mais bien sûr, moi, vous allez savoir à la fin de la vidéo si je préfère un chien et un chat. Mais avant ça, on va regarder ensemble. Premièrement, dites-moi vous en commentaire tout de suite. Vous préférez un chat ou un chien? Live! Et bien sûr, durant la vidéo, on va voir ensemble les raisons pourquoi un chien ou un chat est meilleur que l'autre et ainsi de suite. Alors, on va commencer par soi-disant le meilleur ami de l'être humain qui est le chien. Ou encore les chiennes. Bruh. Et pourquoi dès que c'est le féminin, c'est trop bizarre? Une chienne? C'est une pute. Quelles sont les raisons que le chien est meilleur que le chat? Premièrement, je pense qu'entre les deux, le chien comprend plus les valeurs de l'humain que le chat. C'est-à-dire, le chien, il va être avec toi dans tes pires et dans tes bons moments. Il va pas te ghost là. En mode, je m'en bats les couilles de toi, chacal. Non, des fois, c'est comme si un chien t'entend. Comme tu peux te confier, tu peux le parler. Vraiment, il va te dire. Oui, chacal, oui, oui. Can you get me your coat? Good boy. Give it to me. Raison numéro 2, un chien, bon ça dépend de quel chien, parce que si on parle de chihuahua là, oublie. Mais un chien peut agir en mode garde du corps. Ah chacal, si t'es un berger allemand ou un pitbull, ne m'approche pas. Ça c'est les deux chiens qui me font le plus peur. Ben ouais, tu peux partir de chez toi en disant bon, personne ne va me voler à la maison parce que j'ai un chien. Oui, et c'est pas pour rien quand j'étais petit, j'avais un chien qui s'appelait Blade. Ben oui, il était reconnu dans tout le quartier chacal, dans tout le secteur, il était là, il est là. Lui mort n'importe qui, même moi-même, il m'a déjà mordu mon jeans. Je me rappelle, j'avais 10 ans, il m'a mordu les jeans que mon père m'avait acheté. J'aimais beaucoup ces jeans là. En plus, tous les animaux que j'ai eu quand j'étais petit sont morts. Hein. Franchement, force à vous, les mecs. J'espère que vous êtes au paradis. Raison numéro 3, pourquoi il faut avoir un chien. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que un chien, premièrement, tu peux le promener dehors. Pour nous, les garçons, quand on promène un chien dehors, en plus, quand le chien, il est beau, devinez quoi? Bah, ça attire les tantines, chacal. Ah, mais oui! Ah, mais oui! Et le nombre des tantines que mes chiens m'ont rapporté, vraiment, c'est phénoménal! Bien sûr, je parle pas de chihuahua. Hein. Sachez bien que je déteste les chihuahuas. Et je les trouve moches, des ouf. Mais bien sûr, je pense que les femmes, elles aiment beaucoup les chihuahuas. Parce que j'ai un pote à moi, il a un chihuahua et voilà quoi, vous avez capté. Mais c'est trop bizarre. Hey, vous êtes trop bizarre, vous êtes trop malade dans la tête. C'est quoi les mailles là? Sinon, raison numéro 4. Bon, il y en a pas. Voilà, c'était les trois raisons pourquoi les chiens sont meilleurs que les chats. Maintenant, on va passer à pourquoi les chats sont meilleurs que les chiens. Raison numéro 1. Les chats, t'as pas besoin de autant prendre soin d'eux qu'un chien. Ah ben oui, chacal. Les chats, ils sont. J'ai ma mal les couilles. T'as un chat à la maison, il est pas là, frère. Et moi, mon chat, je me réveille le matin, je le cherche, je le vois pas. La nuit, il revient au calme là. En forme, bon. Les gens d'animaux, ils sont à la maison juste quand ça les tente. Soit ils dorment toute la journée, soit ils s'en battent les couilles. Donc, mesdames et mesdames, si vous êtes flemmards comme moi, achetez un chat parce que voilà, pas besoin de s'en occuper. Et si tu nourris pas ton chat, il va sortir dehors, il va aller tuer des oiseaux lui-même. Ah, ben oui, chacal, ils ont pas le temps de niaiser. Moi, mon chat, je me rappelle, il ouvrait le frigo, il rentrait dans mon frigo, il mangeait tout au calme. Après, il sort, il prend un petit jus, il prend un petit verre d'eau, il fait. Raison numéro 2. Sincèrement, côté câlin et tout, les chats ils sont meilleurs, hein. Ah ouais, chacal. Ah, quand tu prends une chatte dans tes. Bruh.
Quand tu prends un chat entre tes mains, la douceur, chacal, la douceur. En plus, moi, quand tu les caresses, il fait... Oh, chacal, oublie-moi, oublie. Sauf que moi, le problème, c'est que j'aime pas beaucoup trop l'affection. Donc, quand je donne l'affection à un chat, c'est trop bizarre, mais je kiffe des ouf. Sinon, la dernière raison pourquoi avoir un chat, chacal, ça, c'est plus en Afrique. Bien dans les endroits, comme tu habites dans la campagne et tout. Quand t'as un chat là-bas, ils vont manger tes souris, ils vont manger des... Tu vois, les animaux bizarres là qui... Mais voilà, ça, c'était les trois raisons pourquoi les chiens sont meilleurs et pourquoi les chats aussi sont meilleurs. Maintenant, là, je vais vous donner mon avis personnel à moi. Le désavantage d'avoir un chien, c'est que premièrement, ramasser tous les cacas et tout, et moi la manière que je dresse mon chien, c'est comme ça. Chacal, ne sois pas bête, c'est tout, c'est comme ça que je dresse mon chien. Donc si mon chien me casse les couilles à fier partout, à faire pipi et tout, oubliez-moi, je suis plus là. Les avantages du chat, des fois il disparaît trop lui aussi. Chacal, à la base j'étais acheté, mais porter compagnie. Non, toi je t'achète et tu traînes plus chez les voisins que chez moi. Il y a un problème. Oh, ta tête là, on dirait truc de vaseline là, on met sur les... Bref, ça c'est mes deux désavantages à moi. Maintenant, le moment que tout le monde attend, est-ce que je préfère un chien ou je préfère un chat? Roulement de tambour. Alors chacal, je préfère un chien. Ah ben ouais, désolé. Mais les chiens, ils sont juste trop bad. Et je pense que je vais finir par m'acheter un chien très très bientôt. Je pense que ça va être ceux qui ressemblent un peu à des loups là. Ils sont blancs avec des yeux bleus. Ouais chacal, moi mon chien va être un mannequin. Rien à foutre. Moi je suis le genre de mec, si ma meuf m'appelle pour me dire hey, sors et tout hein. Puis là je regarde mon chien. Puis là mon chien me regarde comme ça. Ah oublie tantine, je vais pas aller, je vais rester avec chacal. Bref, c'est tout pour aujourd'hui la famille, je vais aller dehors pour enjailler un peu le soleil. L'été là, t'as vu déjà, je suis bien habillé comme ça. Donc voilà, faut faire profiter un peu tout le monde. Alors si t'as aimé la vidéo, ouais c'est bon, puis si t'as pas aimé, ah